Hamon & Benson. Le journal des stratèges. Alors, la technologie de climatisation de Kylie Energy repose sur le principe des climatiseurs adiabatiques indirects. Et donc, ce système, pourquoi il est plutôt écologique? Puisqu'il ne nécessite pas de fluide frigorigène. La climatisation de Kylie Energy rejette de l'air plus frais et même à l'extérieur, ce qui permet donc de minimiser la contribution au réchauffement climatique. Alors, il ne consomme pas beaucoup puisque c'est seulement 60 watts par heure, alors que un climatiseur traditionnel peut consommer jusqu'à 2500 watts par heure, nous dit 01net.com. Alors, il est assez facile à faire fonctionner puisqu'il nécessite uniquement de l'air et de l'eau pour être en marche. Alors, le coût estimé est d'environ 3000 euros et le dispositif est adapté pour refroidir une pièce d'environ 40 mètres carrés.